À Rouen, il nie avoir tenté d'abuser d'une centenaire dans un EHPAD. D'ailleurs, c'est gentil de sa part, déjà. Il va voir les vieux dans les EHPAD, c'est plutôt sympathique. Peut-être que peut-être c'est peut-être un livreur Amazon, peut-être qu'il livrait. Et puis il a vu une petite dame un peu gironde, il lui a fait du grand dedans. Bon, le problème c'est que la dame en question est sourde. Elle disait ah oui oui pas de problème oui oui faut signer où. Donc il lui disait en ce moment au même moment est-ce que tu veux que je t'en prenne. Et elle a la gueule oui oui. Bah lui il s'est dit c'est un feu vert, il y a été. Et non. Justice, depuis lundi 9 septembre 2024, la cour d'assises de Seine-Maritime juge un homme qui aurait voulu abuser d'une femme âgée de 102 ans dans une maison de retraite de Rouen. Eh bah dis donc. Alors, sur le chat, on a des commentaires. On a l'Astest, hein, je dénonce, qui dit « C'est dans les vieux pots ». Mouais. On a Yvon qui dit « Miam, une mature ». Hein ? Le Mabivon nous dit « Le bruit et l'odeur ». L'Astest confirme en disant « Un archéologue en herbe ». Donc, j'ai été sur F2 Souche, une source qui me permet d'avoir plus d'informations puisque l'article original est derrière un paywall. Donc, alors qu'on a une news des plus sympathiques, on veut en savoir plus, on veut tout savoir. Rouen, il tente de waller Marguerite. Un prénom comme ça, pour moi, Marguerite, ça me rappelle La Vache et le Prisonnier. Donc, dans La Vache et le Prisonnier, vous savez, un vieux film avec Fernandel, un vieux film, quand j'étais petit, je pleurais à la fin de ce film. Et donc, la vache s'appelait Marguerite. Et là, on a cette dame de 102 ans qui, elle aussi, s'appelle Marguerite. Alors, je sais que le cycle des prénoms est un éternel retour sur le passé. Ah, quand tu vois que les gamins s'appellent maintenant des Théophiles, des Jules, et autres prénoms interlopes, nous venons du 19e siècle, ou des années 30, ben, on n'est pas étonné. Donc la Marguerite est ou reviendra à l'honneur tôt ou tard. Hein, on verra des cours d'école remplis de Marguerite. Mais bon, là, on parle de cette histoire de Rouen où cette Marguerite de 102 ans a été, ou en tout cas, on a tenté d'investir cette Marguerite de 102 ans. Le seul problème, c'est que Marguerite n'est pas une maison, hein, et que les squatteurs voulaient mettre son chibre dans la pauvre dame. Et ça, c'est pas beau, c'est pas propre. D'ailleurs, on a la photo du monsieur. Monsieur sympathique. Il a l'air un petit peu hagard. Hein. Il a l'œil un petit peu vitreux. Donc, je suis pas certain que le monsieur ait la lumière à tous les étages non plus. Mais bon, par contre, j'ai pris ça à la blague, mais là, l'histoire finit mal, puisque, bon, cet homme tente d'abuser de Marguerite, 102 ans, après s'être introduit dans l'EHPAD, mais elle décédera quelques semaines après la wallante agression. Bon, après, tu me diras, est-ce qu'un lien direct ? Elle avait 102 ans, quand même, mamie. Mais bon, à mon avis, ça a rien arrangé. En tout cas, il est devant les juges depuis le 9 septembre, et il risque 20 ans de prison. Son nom, Laurie Jean-Baptiste, connu pour Wall en Guadeloupe. Donc, ce monsieur aimait la chair fraîche et la chair blette, voire piquée au vert. Ah, monsieur n'est pas embêtant. Lui, il en veut. Pour lui, mamie Marguerite, 102 ans, c'était une cougar. La cour d'assises à Seine-Maritime condamne Laurent Jean-Baptiste à 20 années de réclusion criminelle mercredi 11 septembre 2024. Donc il a été condamné. Ah, je croyais que c'était 20 ans de prison. Eh ben, Ido, il a pris cher. Moi, j'étais habitué à des peines. Genre, moi, je pensais qu'il aurait eu deux mois à faire des travaux d'intérêt généraux, tu vois. Une mesure ferme, mais pas trop. Mais 20 ans, c'est beaucoup, le pauvre. Donc, est-ce qu'on peut lire l'article? Est-ce qu'on peut agrandir pour pouvoir lire un petit peu assez? Ah bah tiens, on a un truc. Alors, si Marguerite n'a pas été wallée, c'est tout simplement parce que la centenaire a pu résister à son agresseur. Hier, au deuxième jour de son procès, aux assises à Rouen,
Laurie Jean-Baptiste écoute sans ciller l'officier de police judiciaire livrer les éléments de l'enquête. Marguerite, joviale et pimpante, avec 102 ans au compteur quand même, en ce 17 février 2023, est en train de faire la belle dans sa chambre à la maison de retraite rouennaise. Elle a subi les assauts d'un homme tempêteux et tempétueux, le braquemar Turgescent au vent. Eh oui, un homme de grande taille. L'ADN de Laurie Jean-Baptiste, très connu de mon service, les mœurs, conduit les enquêteurs à l'interpeller dans le foyer de la place Saint-Paul où il est accueilli. Il ne voulait pas la voler, non, il voulait la voler. Pour Maître Romain Desgouttes, avocat du neveu de la victime, il ne fait aucun doute que le presque quatragénaire, déjà condamné pour vol en Guadeloupe, a bel et bien été stoppé dans l'exécution de son crime. Il voulait l'engrosser, mais à cet âge-là, elle peut plus, tu t'es trompé. Certitude qu'il n'est pas seul à partager. Marguerite était persuadée que l'accusé ne voulait pas la voler, mais la voler. Ses appels au secours l'ont fait fuir, appuie l'enquêtrice. Laurie Jean-Baptiste a réussi à s'introduire dans l'EHPAD en escaladant la seule partie de la clôture qui n'était pas dotée de herse, à proximité de la chambre de l'aïeule. L'aïeule, sourde, c'est, il faut le préciser, elle n'entend rien. Marguerite y avait été placée par ses proches pour sa sécurité. Bien qu'autonome, elle n'en était pas moins vulnérable. Terrible image de la vidéosurveillance dans laquelle on la voit en pyjama, se tenant le bas du ventre, déambuler difficilement dans un couloir. L'exhibitionniste du campus de Mont-Saint-Aignan. Point d'interrogation. Quand la policière va la revoir quelques jours après pour l'auditionner, elle découvre une femme très diminuée, avec des pansements et sous oxygène. Elle a subi le choc. Ce n'est pas une agression sexuelle, mais une tentative de vol, certifie-t-elle. La chef de la brigade de répression du proxénétisme avance également que Laurie Jean-Baptiste serait l'exhibitionniste du campus du Mont-Saint-Aignan. Mon client est présumé innocent, bondit Maître Émeric Amand. Il n'y a rien sur ces faits dans le dossier. On a déjà suffisamment à faire, en chérie, la présidente Catherine Héron, à l'adresse de la fonctionnaire et de l'avocate générale, Béatrice Pavy, qui évoque également ces incidents incontestablement. Laurie Jean-Baptiste a plus qu'un problème avec le sexe. Il est pervers et dangereux, conclut une psychiatre qu'il a entendue en garde à vue. Le déni de la réalité occupe une grande place dans sa tête. Une grande place dans sa tête, vous dis-je. Elle exclut toute altération du discernement. Pas de troubles psychiatriques, mais une dangerosité criminologique importante, confirme la seconde psychiatre en visio ce mardi. Je constate que la justice française est très féminisée. La justice est féminine. La justice est ferme. La justice est tempétueuse. Un sentiment de persécution l'habite, relève un expert psychologique ou psychologue. Ben disons que cela l'habite, pour un pervers, cela ne m'étonne point. Il parle aussi d'une intelligence en dessous de la moyenne. Ben quand on a vu la tête du monsieur, je ne suis pas étonné. Il n'a pas l'air d'avoir la lumière à tous les étages, comme je vous le disais en préambule. Et il aurait aussi une schizophrénie latente. Tous les praticiens insistent sur la nécessité absolue de soins. 20 ans au cabanon, ça va être du soin. Il va se faire ramener la boîte à suchard par ses collègues, tu vas voir. Non mais, Yvon, il est abonné à la section Granny. Mamie en string réopard. Oh, vous êtes chaud, hein, vous êtes chaud, les gars. Je suis parti sans brutalité.
Le neveu de Marguerite se souvient d'une tante courageuse. Puis, interrogé sur cette nuit traumatisante, Laurie Jean-Baptiste sort une histoire qui paraît bien loufoque. « J'ai confondu la dame avec mon amante de 58 ans. » Que j'étais déjà venu voir la nuit, une relation secrète. Je me suis allongé auprès d'elle, je l'ai caressée, elle a eu peur, j'étais paniqué, je suis parti. Sans brutalité, j'aime quand les relations sont sensuelles. Je n'étais pas en érection, mon sexe n'était pas d'humeur. Verdict. Mon Dieu. 20 ans pour toi, salopard, saligaud. Pourfendeur de mamie. Ah mon Dieu, mais que tout cela est triste. Pourtant, c'est vrai qu'elle était gironde, Marguerite. Ah mon Dieu. Ah, je fais des blagues sur un drame. Franchement, je suis ignoble. Ah, c'est vrai, Yvon, c'est le dernier romantique. Il était pas au courant qu'on peut choper un nightclub. Non, a priori. Non, mais il aime bien les granits, quoi. Genre son amante de 58 ans, etc. Bon. Eh ben, dis donc. Que dire de plus ? Pas grand-chose. Ah, mon Dieu.